Bonjour les amis abonnés, je vais vous raconter un peu cette histoire qui est assez triste. N'hésitez pas à me donner votre avis, merci Tiane Sofane. Lisez attentivement. Un orphelin vendait des petits articles de porte à porte pour vivre et payer ses études. Un jour il avait tellement faim et n'avait presque plus de force parce qu'il venait de passer 3 jours sans manger et sans que ses articles ne soient vendus. Il décida alors: à la porte suivante je dois demander la nourriture, j'ai faim, j'ai faim. Il arriva à la porte et tac, toc, toc, toc. Une belle fille sortit et lui dit: qu'est-ce qu'il y a? En voyant la fille qui avait presque le même âge que lui et très belle de vue, il eut honte de lui demander de la nourriture et se rétracta. Bonjour Su. Bonjour mon frère. J'aimerais demander de l'eau si possible. La jeune fille qui le fixait droit dans les yeux, dit tout simplement: assieds-toi, j'arrive. Elle entra à la maison pour revenir quelques instants après avec 2 gros gâteaux et un grand gobelet de lait accompagné d'un verre d'eau sur un grand plateau. Momentanément, et voilà ton eau que tu as demandé. Le garçon manqua quoi dire et dit tout doucement: merci beaucoup sœur. Après avoir terminé de manger et de boire, il demande: ma sœur, quel est ton nom? Je m'appelle Suzanne Limbe. Enfin Suzanne Limbe, comment savais-tu que j'avais faim? 2 raisons. La première: les yeux sont le miroir du cœur, disait toujours ma grand-mère. La bouche n'est pas le seul moyen de communication. Les yeux ont des moyens plus puissants de communiquer que la bouche, mon frère. Les yeux transmettent des messages forts que la bouche ne peut transmettre. Deuxièmement, mes parents m'ont toujours instruite en disant: donne toujours du pain et du lait à celui qui demande le thé. Voilà. Et toi, comment tu t'appelles? Alfred, je m'appelle Alfred. Maintenant tu peux patienter paisiblement la nourriture. Non, je t'en prie, c'est suffisant, même très suffisant pour moi, permets que je parte. Ok. Je suis honorée et je te souhaite alors bonne continuité. Merci pour ton cœur généreux, fais toujours le bien et le Dieu céleste te le rendra un jour. Des années passèrent, tous les parents de Suza moururent et elle resta seulement avec sa petite sœur. Suza devint malade et les médecins ont diagnostiqué un cancer de l'utérus débutant. Suza, si tu as les moyens, tu dois te faire opérer et surtout dans un des grands hôpitaux spécialisés. Si l'intervention est bien faite, tu as la chance de survivre, suggéra le médecin. Je n'ai que 300 000 euros, seront-ils suffisants? Je n'en sais rien, mais tu dois tenter ta chance. Suza et sa sœur partirent à la grande ville. Arrivés à l'hôpital, vu l'urgence, les médecins l'ont d'abord opéré, puis la facture est venue après. Celle-ci s'élevait à 2 500 000 euros. Suza n'avait ni la famille riche ni les amis qui pouvaient lui prêter cette somme colossale et elle n'avait pas de biens matériels qu'elle pouvait soit mettre en gage soit vendre pour avoir cet argent. Elle resta presque 2 semaines à l'hôpital pour manque d'argent. Elle ne savait quoi faire. Un matin, un infirmier vient lui donner une enveloppe contenant le billet de sortie et une lettre. Elle commença par pleurer en voyant le billet de sortie, puis elle ouvrit la lettre qui était écrite comme suit. Bonjour sur. Bonjour mon frère. J'aimerais demander de l'eau si possible. Assieds-toi, j'arrive, nous n'avons pas encore préparé la nourriture, veuille accepter ceci pour calmer tes faims momentanément et voilà ton eau que tu as demandé. Merci. Continuez à faire des biens, un jour le Dieu Tout-Puissant te le rendra. Elle se rappela de toute l'histoire et elle pleura à haute voix. Sa sœur ne comprenait rien du tout et lui demanda: mais Suza, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi pleures-tu sans rien me dire?
Susa a répondu tout doucement : fais du bien à tout le monde, même à des inconnus, un jour le Dieu Tout-Puissant te le rendra. À la fin de la lettre, il était écrit : le premier du mois prochain, tu commences le boulot ici à l'hôpital, du moins si tu es d'accord. Tes frais d'intervention ont été payés par un verre de lait. Docteur Alfred. Elle pleura et accepta le boulot. Elle était complètement guérie. Cher ami, faites du bien à tout le monde, même à des inconnus. Un jour le Dieu Tout-Puissant vous le rendra, parce qu'il y a le jour de malheur, un jour chaotique à tout homme. Plantez le matin, plantez à midi et plantez le soir, car tu ne sais pas quelle semence donnera des fruits. Que Dieu vous protège. Si vous êtes vraiment touché par cette histoire, partagez dans 5 différents groupes. La suite de votre histoire préférée est en cours, ne vous inquiétez pas.